Réponse du berger à la bergère. Taxé de parti tribaliste par Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, au cours d'une tribune politique, le PDCI-RDA n'a pas mis du temps à réagir. Vendredi 19 juin, Bredoumi Soumaïla estime que le parti au pouvoir tente de faire diversion face aux difficultés rencontrées par les Ivoiriens. Le RDA dit, veut nous ramener les vieux démons de la division. Vous justifiez ce qu'ils savent faire de mieux. La violence et la rébellion. Voilà. Ils veulent nous amener à cela. Comme ils savent faire, on va faire des élections transparentes avant les mains. Ils veulent créer la violence et la rébellion. Et donc, ils vont créer des problèmes qui vont nous donner. Mais la chanson de Rosine Lagnou, Mouro Farina, c'est pas une violence. Nous, on ne chante pas ça. Quand on fait les meetings, que ça même qui calvanise. Pour le rappel, avant le soutien apporté au RDR pour le deuxième tour de 2010 par le président du RDR, le président Bédi Aloni s'est parambarné à Yatsoubou pour avoir leur bénéfice. En dessous de cette plateforme, le candidat du RDR avait eu un nom baoulé de Patel Aranis. En ce moment-là, ce n'était pas du tribalisme. Pour mettre en lumière ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance du RHDP, le PDCI-RDA prévoit des tournées à travers tout le pays jusqu'en 2025. Bredoumi Soumaïla a affirmé que l'heure est venue pour le parti de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, de reprendre les rênes du pays.